Alors, quand les chercheurs d'intelligence artificielle veulent démontrer la puissance de leur technique, ce qu'ils montrent normalement, ce sont des jeux. On a des joueurs d'échecs, des joueurs de go, des joueurs de poker, des joueurs de backgammon. Dans tous ces cas, les systèmes modernes d'intelligence artificielle atteignent un niveau de jeu qui est supérieur à celui de quelconque joueur humain. Si on passe aux applications commerciales, la plupart aujourd'hui sont dans les champs du marketing ou bien dans le champ des médias sociaux. Donc chaque fois que vous voyez un post de Facebook, il a été sélectionné par des algorithmes d'intelligence artificielle. Il y a des autres choses encore. Donc par exemple, Google a développé des systèmes de traduction automatique qui peuvent traduire de plus d'une quarantaine de différentes langues vers toutes les autres langues avec un niveau qui est vraiment très très élevé. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais cela, il est vrai, comme les jeux, ça ne change pas le monde. On peut vivre sans traduction automatique. Si on regarde les applications qui sont encore en phase expérimentale, on voit des choses bien plus bouleversant. On voit des voitures qui se conduisent tout seuls. On voit des systèmes pour l'industrie et pour l'agriculture qui marchent sans aucun travailleur humain. On voit des systèmes pour analyser l'imagerie médicale qui sont plus fiables que quelconque radiologue humain. On voit aussi, c'est dommage, des systèmes pour la surveillance massive basée sur la reconnaissance des visages. On voit aussi des systèmes militaires, des systèmes d'armes autonomes avec la capacité de tuer sans aucune décision d'un être humain. Tous ces systèmes vont avoir sûrement un impact très important sur nos systèmes politiques, économiques, sociaux, sur notre travail, sur notre vie quotidienne. Mais il faut se rendre compte quand même qu'il s'agit toujours de technologies qui se limitent à un seul secteur d'activité. Aucune des technologies qui sont en voie de développement aujourd'hui n'a une intelligence générale qu'on peut comparer à l'intelligence très flexible des êtres humains. Pour le moment, personne n'essaie de faire une chose semblable. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'experts refusent encore la vision de l'intelligence artificielle forte.